C'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ultra ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. J'ai cette petite chose qui m'a été lancée comme un javelot dans mon jardin. Mais quand je vous dis comme un javelot, pour celles qui connaissent ma maison, elle a atterri la toile en haut de mes marches pour accéder à ma porte. Alors, il y a 6 ou 7 marches, il y a quelques pas à faire et il y a un portillon. Je sais pas comment il a foutu son compte, le gars. Bon, voilà, faut qu'il s'inscrive au JO, qu'il arrête de faire des livraisons, hein. Bref, on va voir, j'espère qu'elle n'est pas abîmée. Bon, là, il y a un lion, hein, voilà. Il y a ma toile en dessous. J'ai reçu ça. Je suis trop pressée. Et je suis tellement pressée que je suis à 2 doigts de mettre de côté ma Mrs. Butterdy pour commencer ça. Donc, je ne sais pas. Alors, les petites historiques de cette toile. Attendez déjà que je la sorte de là. Parce que... Hop là. Petite historique de cette toile. Ça fait partie des dernières, au moment où je vous parle en tout cas, hein, des dernières ventes d'AC. Là, on est le 4 octobre. Et voilà, il y avait une toile mystère, je vais y arriver, pardon. Il y avait une toile mystère en vente la semaine dernière. Moi, les mystères, vous connaissez, hein, je suis assez emballée par ce principe. Et comment s'appelle? Siana. Alors, petit point info sur Siana, excusez-moi, je fais une parenthèse, parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Je vais recontextualiser la petite dame Siana. Siana, si vous vous souvenez, c'est une personne, une abonnée à la base, qui est venue me trouver un jour pour m'offrir un stylet qu'au final, on vous a fait gagner à vous. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, et puis depuis, bah, on papote. Voilà, c'est devenu, ça fait partie de ces belles rencontres grâce au DP. Donc voilà, Sienna, on papote très très souvent. Et donc, côté mystère, elle aime le spoil. Donc, elle se fait spoiler. Elle a cherché, il y a un groupe apparemment dédié à ça. Je vais enlever le plastique pendant que je vous parle, on va gagner du temps. Regardez-moi ça. Il y a un groupe Facebook apparemment qui aime chercher de quel mystère il s'agit. Donc, elle pensait avoir trouvé. Elle m'a dit, ouh là là, Céline, je pense que ça peut le faire avec toi, la mystère. J'ai, ah bon? Bon, évidemment, il ne faut surtout pas me dire de quoi il s'agit, hein. Moi, j'ai horreur du spoil par rapport à ça, mais vraiment, je veux rien savoir avant d'ouvrir la boîte, même la couleur des diamants, quoi. Et pour être sûre, on a envoyé à Cécile. Cécile, la petite Kikou et le Diamond Painting. Oh, c'est brouillon cette affaire, hein. On lui a envoyé l'image pour voir si éventuellement elle pouvait confirmer qu'elle pourrait me plaire. Cécile m'a juste envoyé un prends-la. Voilà, à partir de là, moi, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai prise. Donc j'ai trop hâte. Donc c'est un kit mystère qui est dans la catégorie fantasy. Donc ça me plaît bien. Ce sont des objets. C'est Auclair Studio. Auclair Studio, généralement, j'aime beaucoup les images qui sortent. Et puis, bah voilà, allez, encore une 70 par 100. 104 par 70. Allez, de toute façon, je n'ai plus que ça chez DAC. Donc, aujourd'hui, on va découvrir les diamants. Et puis, c'est tout, en fait, parce que je ne veux pas dérouler la toile. Siana m'a dit que si je déroulais la toile, je risquais quand même de deviner certains éléments. Donc, je ne vais pas dérouler la toile. Je vais, hors caméra, la recouvrir de papier opaque. Et est-ce que je la démarre? Voilà, c'est ça la question. Donc c'est un nouveau kit, hein. J'adore, vraiment. J'ai l'impression d'ouvrir un bijou à chaque fois. Alors, le fourreau, on dirait qu'on ouvre un écrin, vous n'êtes pas d'accord? Alors, ici, on a la feuille de route qui est dans ce petit fascicule. Il n'y a pas d'indication, c'est normal, hein. 72 couleurs, je vois du Z. 1, 2, 3. Ok, il y a 3 paillettes. Et 2 AB. Les AB sont à la fin, c'est vrai, j'avais oublié. Ils ont codé les AB comme on a l'habitude de les voir partout. Donc maintenant, on les a en fin de liste avec les autres spéciaux. Donc c'est autocollant, hein, c'est du papier. Les étiquettes sont toutes petites, alors ça a quand même l'avantage de pouvoir se poser sur vraiment n'importe quel contenant, hein. Ça s'adapte à tous les contenants. Alors, le nouveau toolkit DAC. Ça va être mon quatrième, du coup. Il va peut-être falloir que je pense à faire des cadeaux.
Hop. Donc, dans ce toolkit, vous avez... Hop, on ouvre. Un pain de cire, un multiplacer de 7, un de 4. Vous avez le fameux stylet un peu ergonomique. Je vais vous montrer ça après. Vous avez un embout simple. Je ne sais pas pourquoi faire, mais vous avez un embout simple. Ah, peut-être si vous voulez l'insérer ici. Vous avez un petit sachet avec de la poutie, parce que ce stylet, en fait, est lui-même rempli de poutie. Et vous avez des sachets zip. Hop là! Et un super plateau. Vraiment, il est top, leur plateau. Moi, je le trouve vraiment top. Il est dans un plastique super quali. Vous voyez, ça brille bien, c'est costaud. Il y a un stopper, il y a un couvercle. Enfin, vraiment, ça s'aligne bien, ça glisse, mais super bien. Ça glisse beaucoup plus, d'ailleurs, que la 3D, hein, pour info. Je trouve, en tout cas. Et le stylet, en fait, donc comme je disais, il est rempli de poutis. Vous avez un embout ici plastique qui est déjà blindé, qu'on pourrait utiliser tout de suite. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir. À part mes empreintes digitales, vous n'avez rien vu. Hein. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et voilà, ça sort. Ok, ça sort trop d'ailleurs. Hop, vous arrachez l'extrémité qui dépasse et vous êtes prêt à diamanter. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, moi, excusez-moi, il y a mon chien qui se promène. Ok, et bon, il est posé. Bibiche. Alors, mais c'est immense encore, ça va pas. Oh, et oui, c'est vrai, j'ai une carte du coup. J'ai une carte mystery, c'est la carte de mon kit, hein. Je ne sais pas encore les reconnaître, donc je ne sais plus de quelle carte il s'agit. Je regarderai ça après. Et là, j'ai un petit flyer. Alors, oui, d'accord. Ça me rappelle juste d'éviter de poster sur les réseaux. Mais voilà, je pense que vous savez maintenant avec moi que vous n'êtes pas prêts d'être spoilés avec les mystères, tellement moi-même, je ne supporte pas de lettres. Allez. Vu qu'on va pas dérouler la toile, on va quand même juste regarder un petit bout de comment c'est foutu. Parce qu'en fait, chez DAC, voilà. Chez DAC, il y a de l'arnaque. Oh, ça rime! Oh mince! C'est pas super comme slogan. Regardez, pour un même symbole, vous avez des cases de différentes couleurs. Donc le rond là, le rond noir central, je l'ai en bleu ciel, en rose, en orange et en bleu foncé. Je vais avoir la même chose un peu sur les autres symboles, comme vous pouvez voir ici. Et ça brouille complètement le dessin. Je ne veux quand même pas le dérouler parce que je ne veux pas en savoir plus. Mais ça brouille vachement plus que quand c'est cuir noir et blanc. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Oui, j'ai le film perforé. Et voilà, que vous dire d'autre? Rien. Je vais en rester là pour la toile et on va regarder les diamants. Ok. Ouh là là. Ah, ça me donne aucun indice, donc je suis contente. Il y a des beaux violets là. Oh, des beaux turquoises, il y a quelques roses, des jaunes, il y a beaucoup de gris. Beaucoup de gris. Et il y a du 310 pas mal aussi. Alors attendez. Ah, pas mal, oui, il y a genre 12 sacs de 310. Attendez. Pour qu'on rigole quand même. Hein. Je suis désolée pour le bruit. Attendez. Faut que j'arrête de dire attendez. Hein. Il y a une vidéo, je crois qu'il y en a 50 quoi. Mais attendez quand même. Ah, regardez, du 310. Non, vous voyez pas. Hop là, 310 et 939. Il y a de quoi faire. On voit mieux là. Voilà. Hop, je passe de l'autre côté du pied. Oh, mais j'ai hâte de voir. Non, mais ça y est, je suis trop curieuse, là. Oh, que c'est joli, ces roses, là, avec le gris et tout. On a quelques marrons. On a plein de violets.
Ouais. Là, j'ai une toute petite ribambelle. Et là, c'est le 310. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sachets de 310. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être? Fantasy, objet. Il y a du noir et un peu de violet. Il y a du noir et un peu de violet. Je sais pas. Un truc magique, un peu magie. La magie, peut-être, ouais. Bon, voilà. Bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, au revoir. Non, mais faut que je démarre, en fait. Il y a quand même de super jolies couleurs ici. Hein. Regardez-moi ça, là. Oh là là, ouais. Je pense que je vais la mettre en pot. De toute façon, j'ai foutu le bordel dans mes diamants. Je pense que je vais la mettre en pot. J'ai envie de faire une pause avec la Mrs. Butterdy. Je m'éclate pas, là. Il y a quelques écarts. Et puis, surtout, la colle, elle me saoule. Et ouais, je vais sortir une autre DAC. Je fais n'importe quoi. Mais si, on a envie de savoir, non? Vous n'avez pas envie de savoir, vous aussi? Bon. Bah en tout cas, merci à Siana et à Cécile de m'avoir aiguillée pour que je sache que je pouvais la prendre. Bon, après, je leur casserai les dents si jamais ça ne me plaît pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont craqué pour cette toile ou pour une autre, d'ailleurs, de la dernière sortie. Je suis toujours curieuse de savoir, donc vous pouvez me dire en commentaire. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.